les finales par la climbing de l'Open International d'escalade de la page 2014. Déjà, on n'a pas beaucoup de recul en bloc dans le paraclimbing. C'est vraiment que la deuxième compétition. L'année dernière, mes compétiteurs les plus forts et les plus proches n'étaient pas présents. Donc le niveau des blocs était vraiment plus bas. Et cette année, il fallait bien rentrer dans le circuit des trois blocs de finale. Et puis, ça a demandé de la lecture, de la méthode et beaucoup de force. Cette finale, elle a débuté de manière un peu compliquée pour moi, puisque je fais une erreur au départ, puisqu'au lieu de mettre mes deux pieds sur la prise de départ, j'oublie et tellement dans les mouvements suivants, j'enchaîne directement, donc ça me coûte un essai. Et là, ça a été vraiment difficile, parce que je savais que le bloc n'était pas tellement difficile, que c'était le premier, et que cet essai-là, ça pouvait me faire perdre. Et là, je suis contente parce que j'ai vraiment réussi à me remettre dans ma grimpe et à laisser ce premier bloc et la déception et la colère que j'ai eue contre moi à ce moment-là pour être disponible pour les autres et être vraiment concentrée sur et tout donner. Quoi. Vraiment, enfin, j'ai vraiment eu la sensation de devoir me recentrer après et de dire voilà, cette erreur tu l'as faite, maintenant tu peux rien faire contre ça, t'en fais pas d'autre et tu donnes tout. Les essais pour Charlin, on y va, il lui reste 1 minute 24. 1 minute 24 seconds, 20 seconds maintenant. Demain, Charlin, demain. Allez. La chose qui était difficile ce soir pour la finale féminine, on vous dit tout, on vous cache rien, c'est qu'il fallait arriver aussi à départager Frances et Oriane. Et évidemment, bah, pour arriver à départager Frances et Oriane, c'est Charlina qui allait un petit peu pâtir de cette ouverture. Allez, mais c'est vos applaudissements qui vont faire la différence et qui vont lui donner du bon au cœur, s'il vous plaît. En fait, le numéro 3, d'ailleurs, je veux dire, les ouvreurs, ils ont fait vraiment des choses superbes, quoi. Les trois blocs étaient très différents, avec des jolis mouvements. Enfin, c'était... Fallait pincer, fallait serrer. Et en fait, dans le troisième bloc, j'ai rien lâché. Enfin, je me suis vraiment sentie teigneuse dans ma grimpe. Et avant de partir, j'arrêtais pas de me dire « Tu lâches pas, tu lâches pas, tu lâches pas. T'es concentrée, mais dynamique, et tu lâches pas. Donc, t'es pas arrivée à la dernière, tu lâches pas. » Et après, ce que je trouve aussi un peu qui réajuste, c'est que Frances, elle fait un premier essai. Et en fait, dans son deuxième essai, elle fait exactement la même erreur que moi. Donc, ça vient vraiment rééquilibrer. On a fait toutes les deux la même erreur de départ. Donc, voilà. Après, elle a fait un essai de plus, mais... Voilà, la victoire, elle se veut pas à une erreur en fait de lecture et de méthode au départ. On est vraiment, voilà, ça rééquilibré et je suis très contente.